là. Bon, alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lexi. Je viens du 06480 à la colle. Voilà, j'ai 20 ans. Et voilà, hein, depuis ça fait 10 ans que je suis dans la musique et je fais le maximum pour donner le max. Mais en fait, j'ai commencé il y a à peu près un peu plus que 10 ans en fait. Au début, c'était pas trop l'écriture, c'était surtout le grave de mon frère qui m'a intéressé grave, le hip-hop quoi. Et voilà, puis après avec le temps, mon frère il s'est mis à écrire. Je kiffais ce qu'il faisait tout le temps et après voilà, je me suis mis à écrire un peu au début. Bon, c'était comme tout le monde, c'était un peu pourri, mais voilà, avec le temps, j'ai pris du niveau et aujourd'hui je suis Al. Voilà. Pas forcément de famille, c'est surtout voilà, c'est par rapport à mon frère et ouais, ma mère aussi, mais bon, ma mère c'est pas pareil, elle c'est plus à l'époque, tu vois. Mon frère c'est hip-hop, rap, ma mère c'est variété, tout ça, donc c'est pas pareil. Mais non, c'est pas trop de famille, c'est surtout ouais, c'est mon frère quoi qui m'a inspiré ça. J'ai été bercé par le rap, tout ce qui est, voilà, c'était Arsenic, c'était Nak, les 10, il y avait trop de trucs, IAM, il y a plein, Assassin, enfin il y en a trop. Maintenant aujourd'hui, tu vois, je suis plus, voilà, franchement, je kiffe Section d'Assaut, tu vois, par rapport à l'originalité, tout ça. Après, franchement, le rap, je m'en bats un peu les couilles de, tu sais, tout ce qui est rap game, tout ça, là, c'est pas mon kiff. Ouais, rap français à l'époque, tu vois, old school. Ça qui est le mieux. Même si malheureusement voilà, avec le temps, regarde, je fais de l'autotune, je fais ci, je fais ça, mais rien n'empêche que voilà, là-bas c'est le rap conscient, le rap d'avant. Quand j'avais, je sais pas, à peu près 16 ans, ouais, c'était un truc comme ça, 16-17 ans, je me suis mis à écrire mon premier album. Franchement voilà, j'ai pas forcément du niveau, mais je me suis dit je tente, tu vois, en plus mon frère il était avec moi. Donc on a fait plein d'instru, on a fait un projet qui s'appelait De vous à moi. C'était en 2008 je crois, 2009. Et voilà, on l'a pressé, histoire de voir un peu le retour des gens et ça s'est passé, on va dire, assez bien. Et après j'ai fait une net tape aussi en 2009, un an après. Et voilà, pareil, ça a assez bien marché sur le net et voilà. Donc là en ce moment, je suis avec Laska, on est en train de préparer un projet qui s'appelle Amalgame. Donc voilà, ça va être 10 morceaux inédits que personne n'a écouté. Ça va être aussi un clip qui, normalement, j'espère, il sera disponible le plus rapidement possible. Et voilà, c'est tout. Pour l'instant, on travaille et voilà. Donc là, il y a le projet qui va arriver. Il y a d'autres projets aussi, des collègues qui vont sortir et voilà, c'est tout. J'ai fait un concert il y a 2 ans, le jour de la fête de la musique. Et après, j'ai fait un concert au Rouret, je crois. C'est à Cannes. Au Canet, ouais, excuse-moi. Et voilà, donc j'ai fait un concert là-bas, c'est bien passé. Et puis depuis, écoute, il n'y a rien à faire en ce moment. Donc moi, j'attends pas, tu vois, je suis chaud toujours pour en faire, mais le problème c'est que les connexions et tout, c'est pas trop facile. Donc voilà, pour l'instant j'attends et dès qu'il y a moyen d'en faire, je suis hal, quoi. Normal. Quand il y aura l'album, déjà je vais essayer de faire beaucoup plus de démarches par rapport à la promo, par rapport à plein de choses. Je pense que ça va déjà me faire peut-être débouler sur d'autres choses. Après on verra, hein, je fais au mieux et puis je me prends pas la tête et surtout voilà, pas faire la star, tête sur les épaules. Et voilà. Ouais, j'ai fait un clip il y a 2 ans maintenant, je crois, c'était ça, en juillet. Et voilà, ça s'est fait proprement. Bon voilà, c'était le premier, donc forcément c'était pas non plus le top parce qu'il y a des trucs que j'aurais pas dû faire ou voilà. Mais bon, maintenant aujourd'hui là, on en reprend encore plus fort et là il y a un clip d'ailleurs qui va arriver pour le projet Amalgame. Donc voilà, écoute, on verra bien ce que ça donne. Normalement ça va tuer. J'aimerais le sortir en fait si possible le 26 février, tu vois, parce que c'est une date après qui me regarde, c'est personnel, mais voilà, j'ai envie de sortir ça le 26 février. Normalement ça va sortir, j'espère, d'ici là. Donc voilà, c'est que des phases B, c'est gratuit déjà, ça c'est sûr pour tout le monde, ça va être déjà mieux. Ça va être gratuit, voilà, c'est ça va être bien. Voilà, j'espère que les gens, ça va leur plaire et qu'il y aura des bons retours et voilà, on verra bien. Pour une fois justement, j'ai fait un truc perso, c'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y a 2-3 feats, pas plus. Et voilà, j'ai fait vraiment tout seul, tranquille à mon rythme, parce qu'après s'il faut attendre après les gens, c'est trop la galère, tu vois. Donc voilà, j'ai préféré faire ça tranquille et tout seul et voilà, ça va venir quand ça va venir. J'agis souvent par rapport à l'instru, tu vois, je vais sur mon site, malheureusement c'est des phases B, bon je peux faire des phases A mais c'est trop chiant d'attendre, tu vois, j'ai pas envie d'attendre. Donc du coup voilà, donc là c'est, je prends mes phases B sur internet, dès que ça m'inspire j'écris, tu vois, c'est pas, je me force pas à écrire ou des fois j'ai des idées, tac, j'ai retrouvé un instru qui va avec le, tu vois, qui passe avec le thème. Et puis après voilà, ça se fait tout seul, c'est automatique. Voilà. C'est selon ce que j'ai dans la tête, selon les humeurs. Bon, j'ai du mal à écrire positif parce que je sais pas pourquoi ça sort pas quand ça va, et quand ça va pas, là ça sort cash, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, dès que ça va pas, ou dès que j'ai des idées, ou même si c'est des punchlines, des trucs, ça fait toujours du bien de rapper, tu vois, c'est comme la danse, les gens c'est dans la danse, voilà, ben moi c'est le rap à fond, tu vois.
j'écris pas le thème, tu vois, parce que si c'est trop vague d'écrire un thème comme ça et tu réécris plus tard, non. C'est, j'écris des phrases, et après, voilà, je me fais un thème avec ces phrases. Et après, voilà, ça vient tout seul, et voilà. Je pense avoir mon propre style, mais après, ouais, y a beau, c'est par rapport à mes influences, je saurais pas te dire à peu près, tu vois, par rapport à qui. Mais ouais, y a des rappeurs que je kiffe sa race, comme Nak, comme l'Indice, d'ailleurs le groupe Legis, tous ces rappeurs d'avant, là, je kiffe grave, tu vois. Donc un peu, je mélange avec ma touche perso, et puis ça sort comme ça sort, quoi. Et les syllabes, c'est mon kiff, donc dès que je peux, ben, je lâche ce que je veux, quoi. Quand ça sort, c'est bon. Ben, mes ambitions, en fait, voilà, ça serait que, bon, bah, déjà pour l'année 2012, mon projet sorte et que ça se passe bien. Et voilà, après, il y en aura sûrement d'autres. Après, voilà, il y a les collègues aussi, il faut pas oublier, il y a Alaska, tout le monde. Donc voilà, après, si ça sort, ça sort. Moi, je pense que je vais faire un projet, genre, voilà, que des faces A, que avec mon frère comme beatmaker, comme le premier album que j'ai fait. Et voilà, je vais faire au mieux, enregistrer ça proprement. Donc voilà, Alaska, en plus, il a investi, donc le studio, il commence à évoluer un peu. Donc ça sera beaucoup plus carré déjà. Et écoute, voilà, on fera comme on peut, hein. Si ça doit sortir, ça sortira, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Mais pour l'instant, c'est prévu dans ma tête. Franchement, dans le rap, je me prends plus la tête, tu vois. Franchement, malheureusement, maintenant je travaille, bon, il y a des hauts, des bas, il y a des petits problèmes, donc ce qui fait que je peux pas tout le temps écrire. Mais voilà, dès que je peux, ça gratte, et voilà, le but, c'est d'aller le plus loin possible, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut, je pense, c'est commencer à faire vraiment les démarches, parce que quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas, ou j'étais trop timide ou quoi. Maintenant, je m'en tape, je vais cartonner, je vais aller à Paris, je vais aller où je peux, je m'en bats les couilles, faire le tour du monde, je le fais. J'ai une grosse dédicace à mon frère Sirm, une dédicace à tous ceux qui me suivent, voilà, tout King sur mer, Antibes, tous ceux qui me suivent, Nice, tout le monde. Et voilà, un big up pour ma petite nièce surtout. Et voilà, j'espère que ça va venir le plus rapidement possible, le projet, tout ce qu'il y a avec. Voilà.